Hello Petit Painters, comment ça va bien? Alors voilà, ce matin on va s'attaquer aux soubassements. Donc les soubassements dans la préparation, je ne l'ai pas vu, mais ça a été brossé avec un seau, tout ce qu'il y a de plus classique. J'ai utilisé un seau et une grosse brosse à chien dent là, je sais pas comment on appelle ça. Et j'ai récuré tout le bas du mur. Et du coup j'ai un peu sali le sol qui est un peu noir sur le bord. Enfin bon, c'est pas grave ça. Faut dégraisser quand même, hein. Tu ne peins pas là-dessus directement. Autrement, ça risque de pas tenir. Tu auras peut-être des surprises. C'est pas super super propre, mais c'est toujours mieux que ce que c'était. Et j'ai frotté comme un connard en plus. Qu'est-ce qu'il nous faut pour ça? Il nous faut un scotch de masquage, un niveau à bulles, un mètre, un peu d'acrylique et une pelure d'orange. Très important. Je déconne. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on a deux possibilités. On pouvait placer un clou là-bas à la hauteur qu'on veut. Pareil ici, tirer une corde et se servir de cette corde pour venir placer le scotch de masquage. Sauf que, manque de bol, j'ai plein de trucs qui vont nous gêner. Ça par exemple, tout ce qui ressort en fait du mur, ça, la gouttière, la porte, etc. Ce qui fait que je peux pas, hein, si je tire comme ça le câble, le truc il va se retrouver décollé du mur. Il faut vraiment que si tu utilises la ficelle, il faut que la cordelette elle touche le mur, sinon tu peux pas le faire. Je vais utiliser tout simplement un mètre. À chaque morceau de mur, je vais partir sur un truc d'un mètre 80 à peu près. Donc tu vois, on va arriver à peu près par là. Par là peut-être. Je vais faire ce petit pan de mur, ensuite le pan de mur du milieu, et ensuite t'as compris quoi, chaque pan de mur, je vais faire au fur et à mesure. On va utiliser le système de l'acrylique pour pouvoir faire un réchampi bien droit. Il y a énormément d'imperfections dans le mur, si tu regardes de près, tu vois toutes ces aspérités, etc. Là, si je mets le scotch et que je mets pas de l'acrylique dessous, ça va passer dessous et ça va baver comme ça a bavé à certains endroits. Donc voilà, on est obligé de faire ça. On part sur ce côté de mur. Et on vient chercher. Là, je vais partir sur 1m80. Hein. En fait, là, je prends juste une. Comme j'ai le niveau à bulle, je vais pas m'emmerder. Je prends juste une marque. Chercher mon niveau à bulle que j'ai oublié là-bas au bout. Niveau à bulle. Je viens ici. Alors, je vais me placer juste au-dessus. Et là, je vais utiliser mon niveau à bulle. Bien sûr, ne pas m'amuser à foutre du crayon partout quoi. C'est vraiment quelques-uns. C'est juste pour arriver au bout de mon morceau de mur quoi. En plus de ça, on peut se rendre compte comme ça que le mur il va absolument pas droit. Voilà. Tu vois, tu fais trois marques et ça suffit largement. Après ça fait le tour. On sort notre super scotch et on va voir si c'est pas trop mal dépoussiéré. Alors surtout, te fie pas à tous les traits quoi. Tu te mets sur le premier, un peu au-dessus quand même pour pas que ça se voit. Tu viens chercher celui du milieu, au-dessus de l'extrémité. En tendant un peu le scotch, tu arrives à voir. En tendant un peu le scotch, tu arrives à avoir quelque chose de droit. Là, tu marofles bien ce scotch. Là derrière, pareil, je vais mettre le scotch. Voilà. Là, on peut reculer pour voir. Alors, n'hésite pas à prendre du recul pour voir si c'est droit. Merde, c'est où? C'est là. Voilà, là on est droit. Alors, ne te fie pas non plus au trait qui est en dessous là, parce que lui il est pas droit du tout. Pas besoin de niveau à bulle, hein. Tu vois qu'il est, comme ça quoi. Il faut vraiment regarder le haut là, il est presque impeccable. La porte ici elle va être peinte entière, donc je la fais à la fin. Pour l'instant on la ferme pas, on va la laisser comme ça. Et ensuite une fois que j'aurai fait ce mur là, je vais passer ici, je vais faire au fur et à mesure, tu vois. Je fais voir un mur en fait, ça sert à rien de se faire voir tout. C'est amusé parce qu'en fait je veux pas peindre tout ce qui est électrique, mais par contre tout ce qui est gaine, ici même la tripe elle peut être peinte. Ça on va éviter de le peindre si jamais ils doivent dévisser, etc. Mais on va peindre quand même le tuyau, on va tout peindre quoi. Ça va être formidable, je suis un fou de la peinture. Avant de commencer la mise en peinture de ce mur, puisqu'on va faire de l'acrylique, comme je l'ai expliqué, je vais t'expliquer pourquoi d'ailleurs, on va aller chercher le matériel, et surtout de quoi protéger le sol, parce que même si le sol est dégueulasse, il n'empêche qu'il n'y a pas de peinture dessus. Donc on va éviter d'en rajouter. Donc on va chercher la peinture, on va chercher le camion, préparer le sol là-bas, le protéger, et ensuite on sera prêt à attaquer la mise en peinture. Let's go, petit painter. L'acrylique, à quoi ça nous sert? J'ai déjà fait une vidéo sur ça, normalement, théoriquement, elle a dû sortir avant que tu vois celle-ci. On met juste un tout petit fin filet au niveau du scotch
qu'on va lisser. Et en fait, ce filet d'acrylique va nous servir, va empêcher la peinture d'aller sous le scotch, d'aller se coller sous le scotch. Donc là, on lisse. Ah, vraiment, c'est. Il doit y avoir juste à peine un peu d'acrylique au niveau du joint entre le mur et le scotch. Quoi. Alors, tu vois, tu lisses. On va avoir près, il faut vraiment qu'il y ait tous les endroits de rempli. Ça va permettre d'avoir un très bien droit. Alors ça par contre, ça fonctionne que si tu enlèves le scotch aussitôt. Quoi. Alors tu lisses bien pour pas qu'il y ait une épaisseur, hein, parce que sinon en enlevant, bah, pareil, tu vas faire de la merde. À la limite, tu remontes un peu comme ça, comme je fais là avec le doigt. Comme ça, tu es sûr qu'il y a bien de l'acrylique qui s'est foutu dessous. C'est vraiment, vraiment pas beaucoup d'acrylique. C'est vraiment juste pour avoir ce qu'il faut à cet endroit-là. Voilà. Pour la dilution, à la première couche, je vais diluer dans l'équivalent de 5 litres de peinture, c'est-à-dire la moitié de mon fût là, de 7 litres, un peu plus de la moitié de ça. Je vais diluer à peu près un demi verre, tu vois, un verre comme ça, un demi verre d'eau. Ça va pas rallonger la peinture, ça va pas retarder le séchage. Ça va surtout la rendre plus fluide, de façon à bien faire pénétrer la peinture dans tous les petits trous qu'il va y avoir et toutes les imperfections. Ça, c'est important. Et à la deuxième couche, tu peux le passer pur. Tu regardes sur les fûts de peinture. Moi, la deuxième couche, je la passe tout le temps pur. Il n'y a que la première, vraiment, où quand j'ai des difficultés, je la coupe. On est sur du râle très, très gris. Donc, tu vas voir, c'est plus foncé que ce qu'on a là sur le mur. On l'a fait exprès. Donc, avec la brosse. Alors, si tu peux attaquer directement aussi avec le rouleau. Là, c'est parce que je veux te faire voir ça proprement. La première couche est super importante, parce que là, on va enlever le scotch, en fait, avant que l'acrylique ait le temps de polymériser. Là, j'utilise une brosse pousse que j'ai transformée un peu en grosse brosse à réchampir. C'est une vieille brosse, en fait. Mes vieilles brosses, je les jette jamais, je leur trouve toujours une utilité. Donc là, c'est exactement comme quand tu réchampis un mur, hein, ça revient vraiment au même. La grosse différence, c'est que ça va vraiment consommer. C'est de l'acrylique, mais pour façade. Riche en résine, c'est le genre de truc où il faut nettoyer sa brosse et son rouleau régulièrement, si tu ne veux pas t'embêter. Donc là, pour l'instant, je m'occupe vraiment que de ce truc-là, avant que ça polymérise. Ah, bon, ça, comme ça va être un beau gris. Ça, bah, c'est pareil, on va donner un petit coup comme on peut autour. Ça, on va le voir après. Tout de suite, là, je retire mon scotch. Pour avoir vraiment un trait parfait. Quoi. Et. Et il est parfait. Il est parfait. Comme tu peux te rendre compte par toi-même, hein, si t'es pas trop bigleux, c'est parfait quoi. Tu peux pas faire mieux. Il faut vraiment que tu utilises cette technique quand tu veux faire un réchampi nickel et rapidement. Là maintenant, je vais dégager les angles avec la brosse. Je te reprends après. Pas te mentir, j'ai mis à peu près 20 minutes juste à faire les réchampis, à faire le tour des endroits où j'avais besoin de passer avec la brosse. Il y a des endroits que j'ai pas encore fait. C'est ici entre les deux, parce que cette brosse-là ne passe pas, donc il faudra que je salisse une autre brosse. Qu'est-ce que j'utilise comme manchon? Je voulais utiliser un manchon léger de façade qui fait du 20 ou 22, je ne sais plus, en poil. Sauf que j'ai pas la monture qui va dedans. C'est super, parce que les fabricants ne sont pas fous. Ils font en sorte que la plupart des montures aillent avec leur manchon et pas avec la concurrence. Donc du coup, je me suis fait plaisir, messieurs. Donc là, j'ai pris, comme j'ai rien d'autre, j'ai pris le plus gros que j'avais dans le camion, à savoir un méchet de glycéro. Donc là, encore une fois, nous sommes sur une peinture acrylique. Hein. Donc pas la peine de... On peut utiliser effectivement... Putain, qu'est-ce qu'elle brille, quoi. On peut utiliser effectivement un manchon de glycéro, là, ce que je suis en train de faire. Et je l'utilise surtout parce qu'il a des poils super longs. Quoi. Ça me permet d'appuyer un peu et puis de faire pénétrer la peinture plus facilement. Et c'est pas à côté.
Donc là, je fais au-dessus au niveau de mon réchampi. Si tu te poses la question à la deuxième couche, est-ce que je vais refaire l'histoire du scotch, etc. Je te réponds non tout de suite, comme ça tu le sauras. Tu n'as pas besoin de regarder à la fin de la vidéo. Tu peux mettre un like, aller sur ma page Facebook, Instagram et Twitter, acheter un petit t-shirt et me faire un petit tip avant la fin de l'année, sinon ça n'existera plus. Débloquer ton débloqueur de publicité et me rendre riche. Au revoir, à bientôt. Alors, si tu regardes à distance, c'est que comme ça que tu vas pouvoir te rendre compte si tu as fait quelque chose de droit. On est quand même sur quelque chose de très, très droit. Plus droit que ça, c'est pas possible. Je pourrais être peintre pour la NASA, tellement je suis précis dans le réchampi. Ça s'appelle Alloxane, oui, je suis con, je m'en rappelais plus. Oui, c'est bien une mate, elle va se matifier. Alloxane, en fait, c'est riche en résine siloxane. Me demande pas ce que c'est, je suis pas chimiste. Mais enfin bon, c'est fait pour supporter les intempéries, etc. Ça va faire très joli, hein, avec le blanc au-dessus, là. Juste de peindre le soubassement comme ça, ça va rendre le garage tout neuf. On aura l'impression qu'il sera tout neuf. Bah là, j'ai quasiment fini tout un pan de mur, et c'est super long. Ce qui est long, en fait, c'est de passer autour des groupes, des inters, des prises, etc. Les portes aussi, ça a pas été marrant. Tout ce qui est encadrement, etc. Ça, c'est la première partie. Et demain, on va redoubler. Donc, je te reprends demain pour le redoublage. C'est le seul moment où tes parents t'autorisent à redoubler. Mais ça, je l'ai déjà dit. Honnêtement, c'est énormément de travail. On a l'impression que c'était facile et que j'ai avancé. En fait, j'ai pas avancé du tout. J'ai dû mettre à peu près 5 heures pour faire juste ça, quoi. Entre là-bas et là, quoi. Bon, il me reste le derrière. Mon cul, là-bas. Et là, je vais aussi m'amuser. Mais c'est toujours pareil parce qu'en fait, c'est toujours les passages des tuyauteries, des inters, etc. qui est super long et chiant à souhait, quoi. Enfin bon, t'imagines que ça a toujours pas séché. Ça aussi, c'est la merde. Je me pèle le cul, littéralement. On est le lendemain. J'ai été chez moi, j'ai mangé, j'ai chié, j'ai fait plein de trucs, enfin bref. Et j'ai fini la première couche. Les murs sont gelés. Il y a une super fuite au plafond. Là, on peut quand même voir, c'est quand même superbe. Un très très beau réchampi tout le tour, tout est droit, tout est nickel, donc on va attaquer la deuxième couche. Alors pourquoi la deuxième couche, je te le redis, si tu as bien suivi, tu n'as pas suivi, c'est que tu vois il y a des petits endroits où ça s'est mal rebouché, où le rouleau n'est pas passé, et donc forcément là, comme c'est un grain anthracite, ben, on voit que ça, donc on voit vraiment tous les petits points, etc. Donc la deuxième couche est nécessaire, puis elle protège la première, de l'abrasion, etc. Là tu vois j'ai fait un petit cadre à la demande du client et c'était pas con, au-dessus de ça là. Ça fait beaucoup plus propre. Enfin, là où je suis content, c'est vraiment mes réchampis. Tu vois, cette technique, il faut que tu te la gardes et que tu l'appliques partout. Et si tu regardes bien ici, ça n'a pas fissuré, ça n'a rien fait. C'est très, très propre. Hein. Elle est où, le cam ? Elle est là. C'est très, très propre. Et c'est très difficile de faire un réchampi à main levée sur un truc pareil parce qu'il y a tellement d'aspérité et de trous. En plus, ça coûte que dalle puisque j'utilise un scotch de masquage que tu as vu. Alors, la seule chose notable après la première couche, c'est ici que ça se passe. En fait, c'est l'ancien soubassement, on le voit légèrement. Tu vois, c'est plus clair au-dessus et plus foncé en dessous. Ce qui est normal puisque au-dessus c'était blanc et qu'en dessous c'était gris. Le soubassement, on le voit très clairement ici. Bon, ben ça, théoriquement, hein, ça doit disparaître sous la deuxième couche. Là, j'ai commencé la deuxième couche. Tu vois, ça brille. Pareil, hein, pour les parties cachées, comme c'est le cas ici, bah, tu utilises les outils que tu as à ta disposition, à savoir la brosse à radiateur, la brosse plate, coudée. Tu vois, ici, je vais réussir à bien tout peindre. Pour la deuxième couche, en fait, je vais pas m'amuser à réchampir. Je viens avec mon rouleau au plus près du trait. Alors bien sûr, bah, faut pas dépasser. Hein. Là, si tu dépasses, c'est une catastrophe. Et voilà, je fais ça. Si vraiment il y a des endroits, et je le vois là d'ici, qui sont un peu où il manque de la peinture, à ce moment-là, de toute façon, à la fin, je fais toujours un tour
pour avec une brosse et la peinture. La brosse c'est uniquement pour faire le tour là de ses intérieurs et tout, parce que sinon avec le rouleau ça serait trop compliqué. Mais t'amuses pas à faire à nouveau le tour en réchampi avec la brosse, tu vas perdre vachement de temps. Fais-le directement comme je viens de faire. Et là, ça va aller beaucoup plus vite. Hein. Faut quand même se dire que c'est pas des murs, ce ne sont pas des murs classiques. C'est vraiment comme si tu faisais une façade quoi. C'est très granuleux, c'est plein d'aspérité. Donc si tu veux gagner du temps, fais comme je te dis. Si tu veux en perdre, fais pas comme je t'ai dit. Même en bas là, je vais donner, comme le réchampier pas dégueulasse, je vais donner un coup de rouleau. Ce sera plus pratique. Jusque la prochaine vidéo, on va s'attaquer au coin des établis, c'est-à-dire ici. Ici on a un établi, ici on en a un deuxième. Donc on va pas laisser ça, hein. Tout est pourri, pareil, hein. Je vais commencer à reboucher. Mais bon, il faut que je retravaille toutes les planches d'établi. Et enfin, tu verras, ça c'est une autre vidéo. Cette deuxième vidéo touche à sa fin. Nous avons enfin fini tous les soubassements de ce magnifique, somptueux atelier. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser sous les commentaires. Les commentaires sont faits pour ça, ils sont pas faits pour m'insulter. Bah, tu peux me rejoindre sur la première étagère, c'est Facebook, la deuxième c'est Instagram et la troisième c'est Twitter. Pourquoi Twitter en bas? Parce que je n'ai toujours pas compris à quoi ça servait. À bientôt. Ciao, ciao. Bah, qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir que... Bah, pas grand-chose. Pas grand-chose. Il faut retenir que c'est... ça fait super joli. C'est surtout ça. Retiens ça, ça fait super joli. Je vais allonger ma belle petite couverture ici. Oui, c'était une couette à Dr. Peinture. Moche.